Coucou les filles, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo tutoriel maquillage de fête tout en rouge et or. J'ai reçu quelques produits à tester de la marque Iman Cosmétique que j'ai décidé d'intégrer à ce tutoriel. Tout d'abord le fond de teint stick que j'ai en teinte clé 1, le bronzer afterglow qui est en fait 3 couleurs de bronzer highlight blush à utiliser seul ou mélangé, le crayon à sourcils en teinte blackest brown, un duo de fard à paupières à effet métallique très très irisé, et puis un rouge à lèvres d'un rouge sublime, un rouge foncé, très crémeux et super hydratant avec le crayon à lèvres assorti. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime si vous aimez la vidéo, de me laisser des petits pouces vers le haut et puis c'est parti. Je commence par appliquer bien sûr mon fond de teint. Ce fond de teint est idéal si on a la peau grasse, il a un film mat et super naturel sur la peau. Je l'étale avec une éponge humide pour bien diffuser la matière. Je remplis maintenant mes sourcils avec le crayon Blackest Brown, qui est une couleur parfaite pour les sourcils. C'est un marron foncé, mais pas trop noir, ni trop rouge. Il a vraiment une teinte légèrement grisée qui se marie parfaitement à la couleur des sourcils. Je commence par redéfinir le creux large de ma paupière avec un fard neutre. C'est une couleur mate, un marron légèrement plus foncé que ma peau. Ça va donner un peu plus de relief à ma paupière. Et puis je pose ma couleur principale qui est ce doré cuivré très très riche. Je l'applique avec un pinceau plat, légèrement touffu, pour concentrer vraiment la matière. Je pose mon fard sur la paupière mobile uniquement, du coin interne jusqu'au coin externe, sans trop remonter vers le creux de paupière. Et bien sûr, avec mon gros pinceau fluffy, je viens estomper la démarcation entre les deux fards. Ça donne au maquillage un aspect plus fondu et plus harmonieux. J'utilise maintenant le blanc en touche lumière, j'en pose juste dans le coin interne de l'œil pour agrandir le regard. J'en pose également juste sous l'arche du sourcil pour apporter un point de lumière et pour donner un effet plus lifté au sourcil. Et bien sûr, avec le pinceau fluffy, je viens estomper toutes les démarcations. J'utilise maintenant un anti-cerne plus clair pour estomper les cernes et pour également illuminer le centre de mon visage. J'estompe tout ça avec mon éponge humide. Et puis je fixe tout ça avec ma poudre banana qui va illuminer davantage mon teint. Je retire bien sûr l'excédent de poudre à l'aide de mon gros pinceau et puis on passe à l'étape du bronzer. C'est en fait une poudre de teint plus foncée que j'utilise sur les contours du visage. Ça aide à redonner un peu plus de relief au visage. Je donne une touche finale à mon teint avec l'Afterglow. J'utilise d'abord la teinte dorée comme highlight. J'en pose juste sur les pommettes et puis je mélange les deux teintes de blush que je pose sur mes joues. J'estompe tout ça et on repasse aux yeux. Je viens poser un col noir à l'intérieur de la muqueuse de l'œil et sur le ras de cils. À l'aide d'un petit pinceau, je viens estomper mon trait de crayon et puis je le fixe avec le fard doré du début sur tout le ras de cils inférieur. Je pose enfin mon liner en faisant un trait plutôt fin et pas trop étiré. Je rajoute quelques couches de mascara et puis mes faux cils. On termine enfin avec la bouche. J'utilise d'abord le crayon à lèvres pour redessiner parfaitement le contour de mes lèvres. Je
je remplis l'ensemble de mes lèvres avec le crayon et puis je pose enfin mon rouge à lèvres. Et voilà notre maquillage terminé, j'espère vraiment que ça vous a plu. Si vous avez aimé, comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à me laisser des petits pouces vers le haut. La liste de tous les produits que j'ai utilisés se trouve en bas dans la barre d'infos sous la vidéo. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo, je vous fais tout plein de gros bisous. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo.